Je suis Agnès Rouxel. J'ai le plaisir de diriger et d'avoir créé deux sociétés qui s'appellent JP2A et Genèse, deux cabinets de conseil et de formation, et nous faisons tout ce qui est communication, management, cohésion d'équipe. Et aujourd'hui, je suis au titre de présidente de la commission élue de la Chambre de commerce Seine-et-Estuaire, qui a créé le CCI Club Business avec des élus bénévoles et volontaires. Un cercle d'affaires, c'est une méthode que nous avons trouvée pour performer le CCI Club Business. C'est une rencontre de 10-15 personnes qui sont jumelées grâce à un algorithme. Elles se rencontrent 4 fois sur une période de 2 mois, tout ça pour aider à atteindre les objectifs d'affaires. Bonjour, Bertrand Logéa, je suis agent d'assurance MMA à Lisieux. Je suis moi-même élu de la Chambre de commerce et c'est vrai que la particularité de Seine-et-Estuaire, c'est d'avoir lancé les CCI Club Business. Donc j'ai fait des rencontres très intéressantes puisque tous les gens qui ont participé sont des gens qui, tout comme moi, avaient envie de réseauter et donc de faire partager aussi leurs expériences. Je m'appelle Alexandre Dupré, je dirige la société Horizome qui est basée à Gonfreville-l'Orcher et qui est spécialisée dans tout ce qui est électricité et bâtiment. Alors ce qui m'a attiré dans le concept des cercles d'affaires, c'est avant tout de pouvoir rencontrer d'autres dirigeants du territoire et de faire connaître mon entreprise pour pouvoir développer mes activités sur l'ensemble du territoire. Énormément de rencontres intéressantes dans le cadre de ce cercle. En 3 mots, ce que je retiens du cercle d'affaires, c'est la convivialité, le partage et les opportunités de business.